is if you can't just switch from now after. It's a good split for good spread profiles. Okay. Metal slab. On a eu. On va s'en sortir, il y a un anglais, un américain. Oh ouais, ça marche, hein. Attends, je dois réfléchir de quand c'était. Hein. Alors, mon nom est Manuel Hassler et j'ai 38 ans. Je crois que ma première Coupe du Monde était en 2006 à Grünewald. Moi, j'ai commencé un peu. Juste un peu après l'ancien style, je dirais. Alors, je peux pas trop dire ce qui était avant. Enfin, j'ai pu voir ce qui était avant. Quand je vois ce qui était avant, ça a quand même vachement changé au niveau du matériel, beaucoup. Les murs, le style de mouvement. Mais je pense que ce qui a changé le plus, c'est le matériel qui est arrivé. C'est toutes les nouvelles. Les nouvelles prises, des volumes surtout. Enfin, avant, il n'y en avait pas du tout des volumes. Et ça a ouvert beaucoup plus de possibilités dans l'escalade. En fait, j'ai eu de la peine à l'ouvrir ce bloc. J'avais une autre idée qui ne marchait pas. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps le premier jour, ça n'a pas bien marché. Du coup, j'ai laissé assez ouvert au niveau des méthodes. Souvent, dans ce genre de mouvement ou dans ce genre de situation, tu arrives à créer des moments de magie. Parce que tu sais qu'il y a plusieurs possibilités, mais. Je ne sais pas exactement lesquels ils vont choisir. Il y a quelques années, je n'aimais pas du tout. Je préférais forcer les mouvements. Je voulais qu'ils les fassent vraiment comme on les ouvre. Mais de plus en plus, je trouve que c'est bien de laisser cette liberté, de pouvoir surprendre les grimpeurs et toi-même et le public. Alors moi, c'est Laurent Laporte. Je suis ouvreur depuis à peu près plus de 25 ans, je pense, même 30. Et je joue des compétitions. Au début, j'ai ouvert des compétitions de voix. Et ensuite, je me suis plus spécialisé dans le bloc. Et je continue quand même d'ouvrir un peu les deux. Je pense que l'ouverture, c'est pas forcément quelque chose d'individuel. Et j'ai vraiment envie de travailler sur la création en groupe. C'est-à-dire avec des teams, plus ouvrir son bloc tout seul, mais ouvrir les blocs à trois. Mais il faut des gens qui soient vachement ouverts, en fait, et plastiques.
et de créer un peu des nouveaux mouvements parce que chacun, finalement, dans toutes les créations, hein, que ce soit en art, dans tout ce qu'on voit, on reste quand même dans des boîtes un peu, dans notre esprit. C'est ça le plus dur dans la créativité, c'est les boîtes qu'on se met dans notre tête. Et de travailler à plusieurs, ça ouvre un peu ces boîtes, je trouve. Et on arrive à créer peut-être des nouveaux mouvements. Et actuellement, on commence à avoir des mouvements de coordination avec beaucoup de force, je pense. Parce qu'il y a aussi à serrer les prises en même temps que de faire les mouvements de coordination. C'est vrai que c'est assez important de ne pas être non plus trop dans l'exigence et pas essayer de faire tomber les gens, mais d'essayer de les faire s'exprimer. Peut-être avec différentes méthodes, différents choix et en fonction de leur qualité, qu'ils soient capables d'être créatifs dans le bloc. Oui, ça fait un moment. Hein. Le projet de la fissure, ça fait plus d'un an et demi qu'on est dessus. Voilà. En compétition de bloc, c'est la première fois qu'on la pose vraiment. Voilà. Ça va marcher ? Facile de faire des blocs physiques qui amènent un show, c'est soit ils y arrivent, soit ils bougent pas. Et donc, ce qui est important, ça peut peut-être amener le fait que c'est des positions qui sont très inconfortables. Et peut-être qu'au niveau du show, ça peut être, on verra, hein, ça peut être peut-être un truc qui est pas mal du tout. Puis ça nous a pris le temps de lui lâcher les prises, les amener ici, on a fait des moules, on a coulé des prises, on les a un peu mal coulées, mais on a quand même pu en ressortir quelque chose. Et puis ça a suffi pour régler cette craque. Ce qui a été beau, c'est de pouvoir avoir pu surprendre les compétiteurs. Ça, je pense, c'est toujours bien, pouvoir surprendre quelqu'un. Moi, je pense que le vrai but, c'est de créer des émotions. Enfin, que le grimpeur ait des émotions, qu'on voit, que le public voit. On essaye toujours un peu de
trouver des nouveaux mouvements, d'essayer des choses qui existent peut-être mais qu'on n'a pas vraiment vu ou qui n'ont pas été abouties jusqu'au bout. Ce qui est beaucoup arrivé ces derniers temps, c'est que c'est différentes choses qui se sont développées avant sont combinées maintenant. Enfin, y a, je sais pas, tu peux faire un run and jump et ensuite un trip par la suite, etc. Enfin, c'est plus des combinaisons de choses qui font développer l'escalade. Et puis je pense que ça va encore aller un bout comme ça, mais à un moment donné, il va y avoir quelque chose d'autre. Je pense aussi qu'il y a que le style des blocs retourne un peu à quelque chose de plus, bah, comme c'était avant, un peu plus, plus physique, plus tenue de prise. Je me rappelle à un moment donné, c'était il y a 4-5 ans, il n'y avait que des run and jump. Il y a quelqu'un qui en a fait un, tout le monde en voulait en faire, il y en avait dans chaque tour, mais c'était. Moi je trouvais qu'il y en avait beaucoup trop. Le show, pour moi, c'est de faire un scénario qui fait que c'est vraiment intéressant de voir qui c'est qui va gagner et que c'est ouvert. Et ça, tu as plusieurs critères, hein. Tu n'as pas que les coordinations, tu n'as pas que les skates, tu as le mental, tu as plein de choses comme ça qui font que tu arrives à créer un bloc qui va faire du show. C'est pas forcément dur, mais les gens ils vont devoir fighter. Je pense que dans tous les styles, tu peux faire un beau bloc.